Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a David Haynes avec nous. Bonjour. David, on continue sur ce sujet fort intéressant qu'est la foi. On a vu ça la semaine passée. Peux-tu un peu nous résumer ce quoi on a touché? Donc, on a parlé de la foi comme étant d'accepter volontairement la parole d'un autre. Mm-hmm. Donc, quelqu'un nous parle de quelque chose dont nous, on n'a aucune connaissance, puis on accepte sa parole comme étant vraie. Okay? Ça, c'est la foi. Mais on a dit aussi que ce n'est pas quelque chose de non raisonnable. On n'a pas dit que c'est juste une aveugle acceptation, mais qu'on peut avoir une foi raisonnée. Et donc, on a parlé des Bériens qui étaient plus honorables que ceux de Thessalonique parce que quand ils ont entendu Paul, ils sont retournés dans les Écritures pour vérifier tout ce que Paul avait dit. Cet homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, on a quand même vérifié ses paroles. Ouais. Et on a dit que quand on parle de ça, non seulement est-ce que c'est important de faire ça pour, par exemple, analyser les Écritures pour réaliser que je peux faire en fait confiance à ce que dit Dieu, mais même pour des pasteurs, pour des personnes qui sont en autorité, il ne faut pas juste prendre leur parole comme étant la vérité parce qu'ils ont une position d'autorité. Au contraire, il faut faire comme Paul. Excuse-moi, faire comme les Bériens avec Paul. Il faut analyser ce qu'ils disent pour vérifier pour est-ce qu'ils disent vrai ou faux. Et si on voit qu'en fait, oui, ils sont fiables, OK, on peut leur faire confiance. Si on rentre ça dans le contexte de Hébreux, parce qu'ici, l'auteur des Hébreux est en train de parler à des gens qui vivent des persécutions, à des gens qui sont en train de dire, des chrétiens ou des gens qui ont mis leur foi en Jésus, ils ont dit, là, nous, on devrait-tu retourner au judaïsme? Est-ce qu'on devait retourner au temple, offrir des sacrifices? Et ici, l'auteur fait une argumentation vraiment très étoffée, les 10 premiers chapitres, et puis après ça, il parle de la foi. Comment on rentre ce concept de foi-là, ce qu'il nous enseigne sur la foi, dans le contexte ici? Qu'est-ce que l'auteur va leur dire? Donc ici, dans le contexte du livre, là, ils veulent partir, puis Paul dit, « Attends une minute, je comprends que les sacrifices, les souverains sacrificateurs, le temple, c'est tout tangible, tu le vois, mais on pourrait dire, mettons qu'on résume, c'est comme si on pourrait dire, Paul est en train de dire, « Mais attendez, n'oubliez pas que même le sacrifice est un acte de foi. » Mm-hmm. Pour le pardon de vos péchés. Puis là, dans ce chapitre ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir montrer aux Juifs qui sont en train de penser à quitter le christianisme, il va venir leur montrer que, vous savez quoi? Toutes les pères, et on pourrait dire, parce qu'il parle des femmes aussi, fait que des pères et mères peut-être, on pourrait dire, de l'Ancien Testament, ils ont toutes agi par la foi. On illustre ça d'une façon, une illustration imparfaite. Je te donne une clé, il y a un petit cheval dessus. Mm-hmm. Un petit cheval sur deux pattes comme ça, tu la prends, t'en déduis quoi? Ça dépend c'est quoi le type de clé, mais je déduis peut-être que c'est la clé pour ton voiture Porsche que tu as chez toi, que tu me donnes. Tu connais mal les voitures, c'est pas une Porsche. C'est soit une Mustang ou une Ferrari. Moi, j'aurais voulu une Porsche, mais c'est correct. Je te donne une clé. Donc, tu me fais confiance, tu dis, ben, t'as la clé. Ouais. Ça, c'est l'ombre de la substance. De ce qui veut dire, c'est avec la clé, tu fais comme « Wow! J'ai une clé de Ferrari, c'est extraordinaire! » Donc, ça, c'est les illustrations que l'auteur a données. Donc, oui, vous avez une ombre, parfait. Ayez la foi que cette clé-là, exactement. Au bout, il y a une voiture, il y a une Ferrari dans le cours. C'est en plein ça. Donc, OK, restez attachés avec les yeux fixés sur Christ. Oui. Donc, vous avez eu l'agneau qui pardonnait vos péchés. Maintenant, n'oubliez pas que ça, vous avez le temple, c'est ça. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose au ciel que vous ne voyez pas, oui, mais qui est là. Et ça, c'est la substance. Ça, c'est la vérité éternelle. Ici, au verset 1, ça nous dit, oui, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, j'ai la clé, oui, et je suis convaincu, mm-hmm, qu'il y a une voiture au ciel. J'ai le salut en Jésus-Christ. Jésus est mort pour mes péchés. Il était l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Je ne l'ai pas vu. Exactement. Mais j'en suis convaincu, par exemple. Exactement. Puis ça, ce mot-là que tu dis, c'est vraiment important. Puis on le voit ici, il y a comme deux termes qui ne fitent pas avec la conception contemporaine de qu'est-ce que la foi. Ici, il dit une ferme assurance ou une conviction. Puis le mot démonstration, c'est comme démonstration, c'est quoi le rapport avec une démonstration et la foi? Bon, si on parle de cette ferme assurance, cette conviction, c'est que sur la base de ce que tu vois, on pourrait dire tes raisonnements, tu vois les ombres, tu acceptes avec une conviction inébranlable
la vérité des choses que tu ne vois pas. Basé sur ce que tu es capable de voir, tu acceptes la réalité des choses que tu ne vois pas. Et c'est une foi qui, quand on dit ça, c'est pas un acte qui est irrationnel. C'est tout à fait rationnel. Si, même si je ne vois pas ceux qui jettent l'ombre, si je vois une ombre, je sais qu'il y a quelque chose qui le jette. Donc, Jésus-Christ mort sur une croix, lui parfait, lui qui aimait les gens, lui qui n'a jamais rien fait de mal, mort sur une croix, pour les pécheurs, ça nous démontre qu'il y a un Dieu qui est aimant. Oui, exactement. La perfection, ici, même Jésus nous est en train de nous montrer la démonstration de l'amour de Dieu. Mm-hmm. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est raisonnable, quand je vois Jésus mourir sur une croix, je suis en train de dire, il y a quelqu'un qui m'aime beaucoup. Exactement. Donc, j'ai une ferme espérance, j'ai une conviction que Dieu m'aime parce que Jésus est là. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Mark Cahill. Mark Cahill a pris la parole de Dieu et il a dressé un peu le portrait du plan de Dieu pour chacun d'entre nous, en même temps en présentant Dieu. Donc, si vous aimeriez avoir ce livre-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par téléphone, soit par Internet, et ça va nous faire plaisir de vous le donner tout à fait gratuitement. Donc, après la pause, on continue à déballer sur la foi en regardant ces exemples-là, des gens qui ont eu cette foi qui a été agréable à Dieu. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, quand je fais confiance que Dieu est Dieu, quand je mets ma confiance que Dieu est Dieu, quand je mets ma confiance dans ce que Dieu me dit, inévitablement, il va y avoir des actions. Oui. Ou des pensées. Ça va produire quelque chose. Ici, au verset 7, ça nous parle de Noé. Ouais. En fait, 7, c'est ça. Verset 7, ouais. Si on se rappelle l'histoire de Noé, Dieu dit à Noé, il va y avoir un déluge mondial. L'eau va recouvrir la terre au complet. C'était la première fois et c'était la seule fois. Oui. Noé avait 3 fils, 3 brus, sa femme. Ça lui a pris quelques années, on parle de plus de 100 ans, construire son bateau. Peux-tu t'imaginer? Tu habites sur la rive sud de Trois-Rivières. Tu bâtis un arche, une arche, un arche, un bateau. Un bateau. Énorme, énorme, énorme. Tout le monde passe à côté de toi et dit, mais voyons, Noé, qu'est-ce que tu fais là? Dit, Dieu m'a dit, donc Dieu, ouais. On l'écoute quand c'est Dieu, m'a dit, il a dit, construis un arche. Si tu veux être sauvé de ce déluge-là, tu construis un arche. Ouais. Qu'est-ce que Noé a fait? Il a construit l'arche, même si ça fait aucun sens. Il n'y a pas aucune évidence qu'il va avoir un déluge. Comme tu as dit, ça n'a jamais eu lieu, puis ça n'a jamais eu lieu par la suite. Mais imagine, pendant toutes ces années-là, première année, il commence à mouiller. Oh, là, ça commence! Never non. mind. Ça, c'est fini. C'est okay, c'est pas... Bon, l'année après, bon, il commence à mouiller pas mal cette année.
OK, non, c'est terminé. Fait que sa foi, à chaque année, devait être testée, on pourrait dire, dans un certain sens. Mais en plus de ça, il va en avoir des gens, comme tu as dit, qui le regardent pour dire « t'es donc même malade ». Tu bâtis un bateau de même. Mais Dieu me l'a dit! Oui, exactement. Mais Dieu m'a dit que si je construisais l'arche, ça serait correct. OK, premier exemple. Deuxième exemple, versets 8 à 19. Abraham et Sarah. Abraham, tu vas avoir une progéniture qui va être aussi nombreux que le sable oui. de la terre. C'est beaucoup. OK. Je peux juste voir Abraham dire, j'ai 99 ans et ma femme en a 89. Puis on n'est pas capable de tomber enceinte. Bien, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas médecin. À 89 ans, une femme, normalement, ne peut pas tomber enceinte. Bref, il y a beaucoup de miracles ici. Là. Juste que l'idée de dire, cocotte, à soir, on va faire quelque chose. Je ne vais pas être vulgaire. Aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Mais il le fait parce qu'il croit la parole de Dieu. Dieu lui a dit, va vers ta femme, mm-hmm. tout va marcher comme il faut, ouais. puis tu vas avoir un enfant. Vous savez que c'est vraiment des gros actes de foi. Des fois, si on rend ça plus simple, je m'en vais à voir la garage juste pour moi, c'est un acte de foi à tous les coups, parce que je connais absolument rien dans les voitures, mm-hmm. comme tu viens de remarquer, avec le clé avec le cheval dessus. Non seulement que je ne connais pas les marques, je ne sais même pas comment ils fonctionnent. Donc, je m'en vais voir le garagiste ou un ami qui est mécanique, puis là, il me dit, David, ça, là, ça a vraiment besoin de changer. Okay. C'est quoi ça, là? Ça, c'est en plein, ça, j'ai aucune idée. Mais il me dit ça. Il va peut-être me donner même un nom de quelque chose. Je peux même pas dire c'est quoi. Je te mets sur les projecteurs, je savais. Vas-y. Fait que, puis là, moi, tu sais, je pourrais même pas lui tester pour voir est-ce qu'il a raison ou non. Si je décide finalement que oui, en fin de compte, j'aimerais que tu repères ça, je fais acte de foi. Je prends sa parole, j'accepte qu'est-ce qu'il m'a dit comme étant vrai. Puis en plus de ça, je lui paye pour le faire. T'sais, je lui donne de l'argent que j'aurais pu utiliser pour d'autres choses. C'est quand même un acte de foi. C'est un petit acte de foi, mais c'est quand même un acte de foi. Mais notez, c'est une action que je fais. Ouais. Et si je reçois sa parole puis dis ouais, t'as probablement raison, mais je retourne chez nous puis je ne fais rien, je lui fais pas confiance. Je n'ai pas fait acte de foi. Et mes actions le démontrent. Il pourrait me revenir, mettons que c'est un ami, il pourrait me revenir pour dire, hey, tu ne me fais pas confiance? Non, je te fais confiance. Ouais, il faut changer ça. Bien, c'est parce que ça presse, là. Il faut le changer là. Laisse-moi le changer. Non. Mais tu ne me fais pas confiance. Tu vois, les actions, en fait, mes actions, qu'est-ce que je fais en rapport avec qu'est-ce qu'on me dit, démontrent que j'ai ou que je n'ai pas la foi. Si on prend le verset 6 ici, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. » Je prends une autre illustration, je vais être sûr que les gens comprennent bien. Tu me fais un chèque. Je prends le chèque. Je te regarde. C'est un chèque de 100 000 $. Je te connais. C'est un chèque... Donc, si c'est écrit 100 000 $, si je vais à la banque, je vais avoir 100 000 $ dans mon compte de banque, à moi. Oui, bien entendu. Je dois croire que tu as 100 000 $ et je dois croire que ça, c'est le moyen que tu utilises pour que je puisse avoir 100 000 $. Exactement. La foi, c'est de dire, je m'en vais à la banque pour qu'il ait... qu'il soit dans mon compte de banque. Et ces hommes-là, et ici, hommes et femmes, parce que Sarah aussi était là, Dieu leur a dit, ouais. voici qui je suis, voici ce que tu dois faire. Si tu le fais, il va arriver ça. Les autres, ils ont dit, t'es Dieu, c'est ça que tu me dis de faire, je le fais. Exactement. Une caractéristique majeure de la foi, ça produit toujours des actions. Jacques en parle, dans Jacques 2, il dit, la foi sans les œuvres, est morte. Est mort. Donc, si tu ne démontres pas, en fait, c'est même pas de démontrer, s'il n'y a pas de fruit à ta foi, bien, y a-tu réellement une foi? Et c'est très intéressant parce que si on passe à travers chacune de ces personnes dans le chapitre 11, une des choses qu'on va remarquer, c'est qu'on voit qu'ils ont la foi par ce qu'ils ont fait. Mm-hmm. C'est un point très intéressant, puis on voit ça avec Noé. Dieu dit que ça va arriver, donc il a fait quoi? Il a construit l'arche, même si ça paraissait fou.
à tout le monde? La foi, c'est beaucoup plus que de savoir quelque chose. La foi, c'est de reconnaître ce que la personne te dit, ce que Dieu te dit, et d'agir en conséquence de ce qu'il te dit. Après la pause, on va continuer de développer ça pour qu'on puisse bien saisir ce que c'est. Mais avant, j'aimerais vous donner l'occasion d'avoir ce film que j'ai entre les mains, le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous par Internet, par téléphone et dire « J'aimerais avoir le film que Jésus nous a offert, pas que Jésus, que Simon nous a offert sur Jésus. » Donc, restez avec nous. Après, on continue à parler de la foi. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour. David, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais je suis croyant non pratiquant. » Ouais. Donc, d'après Jacques, ça, c'est des gens qui n'ont pas la foi. Exactement. Ils savent des choses. Ouais. Ils aiment l'idée. Ouais. Peut-être même faire un peu confiance à l'idée, comme un peu une lampe magique qu'on chaîne, ouais. qu'on a besoin. Il y a un petit génie qui sort. Ils espèrent que peut-être s'ils restent croyants, entre guillemets, sans nécessairement rien faire, ils espèrent que peut-être ça va leur faire rentrer au ciel. Donc, les chrétiens non pratiquants, ces gens-là devraient se poser certaines questions. C'est poser des questions sur est-ce que j'ai réellement mis ma foi en Jésus-Christ? Parce que le psaume, pas le psaume, le chapitre 11 nous parle que lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, ouais. en ce qu'il a fait et en qui qu'il est et dans ses enseignements, bien, ça produit quelque chose. Ici, on parle de Moïse. Moïse qui était juif, Moïse, par la foi de sa mère, a été élevé sous Pharaon. Ouais. Et puis, il est devenu gouverneur. Puis Dieu lui a dit, je veux t'utiliser. Ouais. Là, il est gouverneur de l'Égypte. C'est ça. Il est haut placé, il est probablement mieux éduqué que le restant du peuple, de son propre peuple en Israël. Puis même du peuple des Égyptiens. Oui. Puis, écoute, il y a une position extraordinaire. Mm-hmm. Et c'est pas mal, c'est correct. Oui. Mais Dieu lui a dit, je veux que tu diriges mon peuple à l'extérieur de l'Égypte pour Exactement. Qu'il puisse venir m'adorer. Et si on lit au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Pour lui, ce n'était pas un concept plaisant à croire. Non, c'est ça. Dieu, on le prend au sérieux, et ce qu'il te demande, tu le fais. C'est ça. La foi, c'est de prendre Dieu au sérieux. Et au verset 6, j'en reviens, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas agréable à Dieu. Non, c'est Donc, tu prends au sérieux, puis tu avances. Exactement. Et à partir du verset 32 jusqu'au verset 38, là, c'est comme en rafale. Plein de gens qui ont vécu des choses qui ont... La foi a produit des choses. Parce que souvent, on va regarder ces gens-là et hey, c'est des héros et c'est des. Oui. C'est comme. C'est... Et là, verset 32 à 39, le 38, c'est du monde plus ordinaire, un peu. Oui, ils sont plus ordinaires et pourtant, ils ont quand même fait certaines choses que nous, on le regarde. Puis honnêtement, des fois, on dit hey, je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ça. Tu vois la liste des choses dans le verset 36 et 37. D'autres subir les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils meurent tués par l'épée. C'est quand même quelque chose d'y penser. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils avaient la foi dans quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Ils acceptaient la parole de Dieu au lieu d'avoir peur des actions de l'homme. Et ça, d'ailleurs, c'est peut-être un point qui vaut la peine de mentionner. On pourrait peut-être dire ça de même. En philosophie, on dit qu'un argument à partir de l'autorité ne vaut littéralement rien. Mm-hmm. Okay? Fait que si on est en train d'avoir une discussion dessus, puis toi, tu viens me dire, ben, tu sais, j'ai un ami qui est doctorat, qui lui a dit telle chose. Non. C'est parce que ça, c'est pas un argument. Et dans la justice non plus. Non, c'est exactement. Des oui-dire, ça. Ça veut rien dire, ça gagne pas un argument, puis on peut juste laisser ça aller. Ça, c'est vrai, si on parle des hommes.
Mais si mon autorité, par exemple, est toute connaissant, ce serait peut-être d'autres choses, parce que tout d'un coup, il ne peut pas se tromper. Il connaît toutes choses. Et donc, si l'autorité auquel je fais appel est de ce genre-là, alors cette autorité trompe tous les arguments. Ouais. Aucun argument peut venir contredire ce que dit une autorité qui connaît toutes choses, qui ne peut pas se tromper. Et c'est là où ce que faire preuve ou faire acte de foi dans la parole de Dieu est, d'un certain sens, l'acte le plus rationnel que tu pourrais faire. Parce que même si tu ne vois pas ce qui va arriver, ce que Dieu dit va arriver, puisque c'est lui qui est tout connaissant et il ne peut pas se tromper, de l'accepter à sa parole est plus rationnel que de faire tout plein d'argumentation et d'expérience pour essayer de voir qu'est-ce qui va arriver. C'est drôle, tu parles, puis je me ramène sur le mont Golgotha, quand Jésus était crucifié. Puis il y avait deux gars à côté de lui, des bandits, puis là, il insultait Jésus, que les évangiles nous disent. Marc nous dit que les deux. Puis à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il y en a un qui a regardé Jésus, puis sa vie était transformée. Mm-hmm. Il a regardé l'autre, il disait, t'as peu. Là. Nous, on mérite d'être ici, mais lui, il ne mérite pas d'être ici. Mm-hmm. Non, il y avait quelque chose ici de très autoritaire qui parlait. Jésus était parfait. Et c'est extraordinaire qu'est-ce qu'il a dit. Il n'a pas beaucoup d'informations, mais avec le peu d'informations qu'il a, il dit, souviens-toi de moi quand tu vas rentrer dans ton règne. Ouais. Il a cru que Jésus était la solution à son problème, comme eux autres. Exactement. Et il a fait son action, la seule action qu'il a faite dans sa vie, c'est de dire, Jésus, sauve-moi. Il a cru que Jésus avait la possibilité de sauver. Puis Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Ouais. Et tous ces gens-là qu'on retrouve dans le chapitre 11, c'est ça qu'ils ont fait. Exactement. Ils ont cru l'autorité. Ils ont cru le témoignage. Ouais. Et à partir de là, ils ont dit, je suis prêt à abandonner n'importe quoi. Il y en a qui on a parlé de scier tout ça. Et il y en a qui ont fait des choses pas mal plus simples. Ouais. Comme construire un arche, un bateau. Mais ils ont fait quelque chose. Exactement. Des chrétiens non pratiquants, ça n'existe pas. Non. Si tu es non pratiquant, c'est parce que tu n'es pas chrétien. Exactement. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui dit, Jésus-Christ, c'est Dieu, il est mort pour moi et il m'a donné sa vie pour que je puisse vivre pour lui. Ouais. Et un jour, je vais passer l'éternité avec lui. Mais en attendant, j'espère, je suis convaincu que je vais être avec lui pour l'éternité, mais en attendant, j'ai une vie à vivre. Oui, et une vie à vivre en conséquence de ma foi. Je dois écouter. Si je crois que Jésus est réellement Dieu, alors je dois lui faire confiance. Un peu comme quand Jésus a dit à la prostituée, t'es pardonné, va, ne pêche plus. C'est ça, exactement. C'est en plein ça. Si tu crois que je peux pardonner tes péchés à cause que je suis Dieu, va, ne pêche plus. Ah oui, mais tu sais, moi, je ne suis pas pratiquante. Je ne suis pas pratiquante. Moi, je vais continuer de faire ce que j'ai fait. Mais non, ça fait aucun sens. Non. Ça fait aucun sens. Non, exactement. Voyez, il manque de mots, là. J'ai envie de vous demander, êtes-vous des chrétiens pratiquants ou non? Pas devant nous, il n'y a personne, vous êtes seul, devant Dieu. C'est la question la plus importante. Est-ce que votre foi produit quelque chose? Est-ce que votre foi vous pousse à aller à Dieu? Est-ce que votre foi vous pousse à dire, Seigneur, je t'aime? Donc, je vais marcher dans tes voies. Seigneur, je crois que tu es Dieu et je crois que ton Fils est venu mourir pour moi. Je mets ma confiance dans sa justice, pas dans la mienne, et je veux marcher ma vie pour toi. Ça, c'est ça ici qu'il est en train de leur dire. Et c'est l'Évangile et c'est ça que la Bible enseigne. Peu importe ce qu'on nous, on pense, c'est ce que Dieu nous dit. Et il est autoritaire parce qu'il est Dieu. Prenez la pause pour y penser. Et après, on termine l'émission justement en s'appropriant ça pour nous. Restez avec nous.
Nous avons lu au chapitre 10 que le juste vivra par la foi. C'est spécial parce qu'on voit ce même énoncé-là dans Galates, dans Romains et dans l'Ancien Testament, dans Habacuc. Au travers de la Bible, on voit « le juste vivra par la foi » pour son salut et pour sa marche. Et là, on ne veut pas vous soyez sur l'impression qu'on est en train d'enseigner ici un évangile de perfection. Ça veut dire que tu te convertis, puis après ça, tu es parfait. Non. La prochaine émission, on va justement parler de ça. Comment on navigue dans nos victoires et nos défaites? Parce qu'il y en a même étant chrétien. Comment on continue d'avancer? Ça, c'est pour la prochaine émission. On va voir le chapitre 12. David, Jésus invite les gens. Oui, absolument. Et nous avons ici la parole de Dieu qui nous invite à mettre notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. On pourrait penser à Romains chapitre 10, les versets 9 à 10, où ce que on nous donne une promesse auquel on doit faire confiance. C'est un acte de foi. Ça dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est Dieu, qui est Seigneur, et confesse de ta bouche que Jésus a ressuscité la mort, tu vas être sauvé. Bien, ce salut qu'on nous offre est basé sur notre acte de foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, sur la croix. Et il y a un verset en Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, où ce qu'on lit ceci. C'est Jésus qui parle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mes chers amis, ça ne peut pas être plus clair que ça. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu vivre une vie parfaite sur cette terre, venu vivre la vie que nous, on n'était pas capables de vivre. Et la raison pourquoi, c'était pour venir prendre nos péchés. Et de prendre nos péchés sur lui. Il est mort sur cette croix, il est ressuscité pour pouvoir nous pardonner, nous donner la vie. Et comme David vient de lire, si quelqu'un croit ça, il sera sauvé. Et lorsqu'il sera sauvé, bien, sa foi va produire une vie qui va refléter la gloire de Dieu imparfaitement, mais qui va pointer vers ça. Mes chers amis, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu et mettez votre foi dans ce que Jésus a fait. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.